Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 les amis. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tous les easter eggs de The Crew 2 donc qui sont cachés sur la map. Donc on va commencer avec le premier easter egg qui est un crash d'avion. Donc en fait il faut aller vers à côté de Miami au niveau de la mer. Donc en fait vous zoomez là, il y a un tout petit point blanc. Et en fait ça c'est une île. Donc faut zoomer à fond, voilà tac. Et là on arrive sur un crash d'avion comme vous pouvez le voir. Là on peut voir l'avion qui est complètement pété. Il y a le reste de l'avion qui est dans l'eau. Et donc voilà, donc je vais aller tout de suite à Lille et on se retrouve tout de suite. Donc malheureusement on peut pas aller à Lille. Donc j'ai essayé d'y aller en avion comme vous pouvez le voir. Et en fait quand je veux pour aller me poser sur l'île, regardez ce que ça fait. Paf, ça me fait retour en la zone de jeu, donc c'est pas grave. Je vais vous présenter le prochain easter egg, mais je voulais quand même vous montrer quelque chose sur l'île. C'est qu'en fait, juste ici sur la chaise, il y a un mec qui a le seul survivant du vol. Donc il y a un seul type. Et il est tout seul en fait. Il est en train de boire une canette de coca, de l'eau et tout. Comme vous pouvez le voir, il est tout seul. Il a un vieux siège tout défoncé. Il y a des cartons. Donc où est-ce qu'il a, il y avait encore à manger dedans. Et le mec il est complètement seul, c'est le dernier survivant. Et voilà, donc vous voyez l'avion là, il est complètement défoncé. Ça se voit que ça fait longtemps qu'il est là le mec. Et je sais pas pourquoi il a pas essayé de se barrer, sachant que c'est pas loin, mais bon. Donc voilà les gars, c'est tout pour le premier easter egg. Donc les gars, pour le deuxième easter egg, va falloir se retrouver à Los Angeles. Donc en fait c'est le même principe. Ici il y a une petite île, il va falloir zoomer. Hop, et donc voilà la petite île. Donc c'est écrit help. Donc voilà, une petite île déserte. C'est un peu le même principe. C'est un peu le mec qui est seul, qui est vraiment seul sur une île. Donc il y a un type qui est juste ici. Je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas si c'est une référence à quelque chose ou quoi. Mais en tout cas, c'est une île déserte. Un peu le même principe que à Miami. Donc voilà les gars. Donc on va se retrouver pour le troisième easter egg. Le troisième easter egg, il va falloir se rendre près de Las Vegas. Près de Las Vegas. Donc juste ici, vous prenez en repère cette course là, donc Las Vegas. Vous zoomez. Donc en fait on va arriver dans le désert. Et c'est juste ici le petit la petite zone. Donc en fait c'est juste la zone 51 en fait tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir. Donc on va s'y rendre vite fait, donc je vais mettre un petit point, tac, établir une destination. Ok les gars, nous revoilà dans la zone 51. Donc voilà. Ici on peut voir les gars un ovni. Donc c'est tout l'intérêt de venir là, c'est de venir se balader puis visiter un peu. Donc là on a un ovni. Donc ici on a l'entrée de la zone 51. Tac, donc là on a des bâtiments, on peut pas voir l'intérieur. Là on a des petits camions, etc. Donc voilà, petit endroit sympathique, je trouve ça vachement bien qu'ils font des petites historiques comme ça, je trouve ça super cool. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce petit historique. Ok les gars, donc pour le prochain historique, il faudra se rendre à Washington, donc il se trouve juste ici. Donc il faudra zoomer à mort, voilà. Allez, juste ici, à ce niveau-là. Et dans le cercle, il y a le logo de Assassin's Creed. Donc petite référence à Assassin's Creed, vu que c'est un jeu Ubisoft. C'était obligé quoi. Donc voilà les gars. Donc les gars, pour le prochain easter egg, il faudra se rendre à Détroit. Donc il se trouve juste ici. Donc ça va être sur l'extrémité carrément vers la mer. Il faudra zoomer. Tac. Attendez, il faut que j'arrive à le retrouver. Ah voilà, je me suis trompé. C'est vraiment sur le côté, mais c'est juste ici en fait. Faut prendre en repère le gros bâtiment là et zoomer. Tac. Et voilà. Donc là on a une petite référence à Pac-Man les gars. On peut bien voir les pièces. Puis là ici Pac-Man là comme ça. Vraiment pas mal. Donc, du tout. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je voulais juste vous montrer vite fait le dernier easter egg en speed. Que malheureusement j'ai galère à faire. En fait à ce niveau là tout en haut de la map. Au niveau cascade du sud. Dans cette zone là. Il y a un Bigfoot, mais malheureusement j'ai pas réussi à le trouver dans cette vidéo. Il est bien, bel et bien dans cette zone là. Donc là j'ai eu un petit bug, tac.
Il est bien dans la zone ici, juste à côté de Cascade Sud. Il est dans cette zone-là, donc si vous voulez vous amuser, si vous vous faites chier sur le jeu et que vous voulez quelque, enfin, vous voulez faire quelque chose, bah, n'hésitez pas à aller ici et chercher le Bigfoot. Moi personnellement, j'ai pas trouvé, donc du coup, c'est pour ça que je voulais pas, j'ai pas pu vous montrer, mais il est bel et bien dans cette zone et il est assez chaud à trouver quand même. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les Starex vous auront plu. Et voilà, donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les gars. Salut tout le monde.